Rebonjour. Oh, regarde, Taoki. Ah oui, il y a des nouveaux amis, hein? Alors, c'est qui? Eh bien, j'ai invité les amis pour faire les mathématiques. Donc, ah oui, je les reconnais. Il y a l'écureuil. L'écureuil, il compte, les écureuils. Oui, Taoki. Ensuite, nous avons Pitbull. Alors, Pitbull. Oh, Pitbull, il est très fort, lui, en mathématiques. Parce qu'il compte avec des 10. Il fait des boîtes, il l'imagine dans sa tête, il sait faire plein de choses. Et puis, il y a aussi Dédé. Hein, qu'est-ce qu'il fait, lui, Dédé? Ben, Dédé, il compte avec les dés. Et bien, justement, je vous ai apporté un dé. Donc, ben, allez, facile. On va commencer avec les points sur les dés. Ça, c'est le 2. Bravo, Taoki. Un autre. Regardez bien, ça c'est le 4. Bravo Taoki. Voyez le 4, on voit bien un à chaque coin. Quand même, des dés, ils sont bien rangés, hein, ces points. Et on va en faire un autre, on va faire le 5. Bravo Taoki. Il y a le 1, 2, 3, 4 et on en a rajouté un ensemble, ça fait le 5. Quand ils sont bien dessinés comme ça, on les voit très vite. C'est quand même pratique pour aller un petit peu plus vite. Alors, maintenant, on va voir ce Pigby. Alors, Pigby, par contre, les boîtes, elles sont restées dans la classe, hein. Alors, ici, à la maison, on va faire avec les bandes de carton. Les bandes, je vous ai apporté des petites bandes. Donc, vous allez voir un petit peu comment ça marche. Par exemple, vous savez que Pigby, il les range dans l'ordre, hein? Lui, il les range en ligne. Alors là, Taoki, ça fait combien? 3. Bravo. 1, 2, 3. Facile. Et là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait le 5? Il faut mettre le petit carton dessus. Et bien, d'ailleurs, il est où? Donc, maintenant, un autre. Regarde. Donc là, on a mis le petit carton sur les 5 et ça fait donc le 6. Bravo, Taoki. Il y a 5, on les imagine. Et il y a le 1, 5 et 1. 6. Bravo. Ensuite, on va en faire un autre. On va faire le... Allez, à vous de compter et de me dire combien ça fait. Alors, 5, 6, 8, maîtresse. Bravo. 5, 6, 7, 8. Et on va faire maintenant un plus long. Regarde. Ah ben là, les deux 5 ils sont remplis, donc ça fait 5 plus 5, 10. Bravo Taoki. Et quand on a 10 comme ça on le recouvre, on le ferme. Et maintenant, on imagine les billes dans sa tête. Donc ça fait 10. Allez, on va compter un petit peu de 10 en 10. Est-ce que tu te souviens? Donc là, ça fait le 10. Je rajoute 10, ça fait le 20. On n'oublie pas qu'on imagine les billes dedans, hein. Le 30, le 40 et le 50. Allez, on va recompter ensemble. 10, 20, 30, 40, 50. Bravo! Allez, préparez-vous. Maintenant, on fait une petite dictée de nombres. Donc, préparez votre ardoise. Allez, on commence. Regardez bien. Je vous mets celui-là et encore celui-là. Alors, Taoki, combien ça fait là cette fois? Alors, un, deux. Deux? Non, Taoki, on ne te dit pas de compter le nombre de choses, il faut compter le nombre de billes.
Donc là, il faut bien imaginer qu'il y a 10 billes dans la grande boîte. Ah oui, d'accord, maîtresse. Alors, 10 et 1, 11. 11. Oui, Taoki. Alors, comment je l'écris le 11? Eh bien, le 11, c'est 1 et 1. Oui, c'est une dizaine et une unité. Bravo. Alors, maintenant, je vais rajouter. Et je vais vous rajouter le 5. Allez, on cherche, on cherche. On écrit combien ça fait? 1, 2, 3. 3, maîtresse. Ah, ok. Je t'ai dit, on ne compte pas le nombre de choses. On compte le nombre de billes. On les met dans sa tête. Oui, maîtresse. Bon, alors, je recommence. Alors, 10. 11, 12, 13, 14, 15 et encore 1. Ça fait 16, maîtresse. Bravo, Tanki. Comment je l'écris? Alors, 16, c'est le 1. Il y a une dizaine et il y en a encore 6. Le 1 et le 6. Bravo. Et là, maintenant, je vais vous rajouter encore une dizaine. Alors, Taoki. Oh là, faut pas que je me trompe. Alors, 10 plus 10, 10 plus 10, 10 plus 10, 20, 20 et 5, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26, maîtresse. Bravo, Taoki. 26. On voit bien les deux dizaines et les 6 unités. On écrit 26. Et qu'est-ce que je vais vous rajouter maintenant? Je vais vous rajouter encore une dizaine. Encore une dizaine. Alors, 10 plus 10, 20. 20, alors encore 10. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35. 36. 36, maîtresse. Bravo, Taoki. 36. 3 dizaines et le 6. Et maintenant, je vous rajoute des unités. Alors. Oh, Pibi, il voulait nous dire quelque chose? Alors, Pibi. Ben, il faut. C'est pas la peine. Je vous explique pour aller plus vite. C'est pas la peine de recompter au début. On en avait 36. Alors là, maintenant, on va faire 36 et encore 2. 37, 38. Oh, mais il compte vite, hein? Il compte vite, ce Pilbi. Bravo. 38, le 3 et le 8. Et on va faire un dernier. Attention, je rajoute 10. Alors là, on rajoute 10. Bon, on va compter, ben, je vais compter de 10 en 10. Allez, puis après, on verra ce qui reste. Hein. 10, 20, 30, 40, 40 et 8. Oh ben, 48. Bravo, Tanki. T'as compté vite, hein? 48, donc c'est 4 dizaines et le 8. Et voilà pour notre dictée de nombres. Et maintenant, nous allons voir le travail que vous aviez à faire aujourd'hui. Donc, on va reprendre le problème de la cour de l'école. Alors, dans la cour de l'école, dans la cour de l'école, il y a 28 enfants. 18 autres enfants sont entrés dans la cour, vont entrer dans la cour. Donc là, il y en a 28 et il y en a 18 qui vont entrer. Combien y aura-t-il d'enfants dans la cour? Alors d'abord, Dédé. Dédé, lui, donc, il imagine que ses points, les points Dédé, sont des enfants. Il calcule. Donc il a dessiné les 28 qui sont déjà dans la cour et les 15. Il dessine aussi les 15 qui vont rentrer. Pour calculer combien ça va faire en tout,
On les met tous ensemble, donc on met le plus. Alors, maintenant, on va essayer de compter combien ça fait. Alors, Dédé, il est quand même astucieux parce qu'il compte avec des 10. Ah oui, moi je vois, il y a 2, 5, et 5 et 5, ça fait 10. Alors, on peut faire un 10. Bravo, Toki. Là, donc, on les met ensemble, et ça fait un 10. Et maintenant, on compte. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43. Et voilà, on a trouvé le 43. Maintenant, on va regarder comment il fait Pibille. Alors lui, il imagine que ses jetons sont des enfants. Chaque jeton, c'est un enfant. Parce qu'en mathématiques, quand on fait des dessins très simples, sinon ça met trop de temps. Si on veut vraiment faire des jolis dessins, il faut aller dans le cours de dessin. Mais là, on est en mathématiques, on fait ce qu'on appelle des petits schémas. On imagine, là, comme on parle des enfants, chaque jeton est un enfant. Et puis, ah bah oui, mais lui, ça va plus vite, parce qu'il dessine les 10, il n'a pas besoin de dessiner des ronds, il dessine vite des boîtes. Ça va plus vite. Et oui, Taoki, ça va encore plus vite. Et après, alors comment il fait? Il met toutes les boîtes ensemble et toutes les billes ensemble, et s'il peut, il essaye de faire une boîte de 10. Alors, comme il y en a déjà 8, il lui en faut plus que 2 pour faire 10. Et on arrive à faire, donc il y a 4 dizaines et 3. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43. Évidemment, le même résultat, fait la même, le même calcul, fait la même réponse. Donc il y a plusieurs façons de calculer, mais on trouve toujours le même résultat. Sinon, c'est qu'on se trompe. Alors, on va faire une petite pause. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'habitude en pause, en mathématiques, les enfants? Ah oui, vous vous mettez debout et puis vous bougez avec les genoux et les coudes et les mains. Ah, bah, tu nous as vu, Tanki? Ah ben oui, je vous vois. Hein. Moi, je ne fais pas la gymnastique, mais je vous vois. Hein. Alors, donc, la petite pause, on va faire... Donc, on fait les mouvements croisés, vous vous souvenez? Et on compte. Ça va vous détendre un petit peu. Alors, vous pouvez vous mettre debout. Hein. Moi, je ne me mets pas debout parce que je vais sortir de la caméra. Ben oui, on n'a pas de caméraman. Hein. On est confiné. Alors, on est tout seul. Heureusement, elle m'a ramené à la maison parce que sinon, j'aurais été tout seul dans la classe. Allez, on y va, Taoki. On y va. Allez, on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et on continue avec les coudes. Allez, encore un petit peu. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Bon, on respire un petit peu hein, quand même. Hein. Et moi, je bois un petit verre. Donc, on en était où, Taoki? Donc, on avait déjà revu des dés qui dessinent comme sur les dés. Et on a vu Pibi qui va encore plus vite parce qu'il dessine des boîtes. Et maintenant, donc, on va faire le travail que vous aviez à faire. Donc, je vais vous montrer comment on peut le faire. Alors, on va dessiner comme des dés. Alors, est-ce que tu peux lire, Taoki? 25 plus 24. Bravo! Donc, il y a un plus, ça veut dire qu'on met tout ensemble. D'abord, je dessine 25. Le 20, c'est 10 et 10. Donc, je fais deux paquets de 10. Bravo! Donc, deux paquets de 10 comme Taoki, c'est en faisant des 5. Hein? Donc, on fait un paquet de 10, un deuxième paquet de 10.
Et on n'oublie pas d'en mettre 5. Et il faut encore en rajouter 24. Bah, 24, c'est encore 2 dizaines et 4 unités. Alors, on va aussi les dessiner. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça, un paquet de 10 comme des dés. Encore 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Le 10, c'est 2 fois le 5. Et encore 4. Et maintenant, on met tout ensemble pour trouver combien ça fait. Donc, on va compter les dizaines. Il y a 1, 2, 3, 4 dizaines. Allez, on compte. 10, 20, 30, 40. Et tout seul, oh, bon, on le voit vite. Le 5 et le 4, c'est 9. Donc, ça fait 49. Oh, ben, Dédé, il va quand même vite. Hein. Le problème, c'est qu'il faut faire plein de ronds. Alors, quand même, moi, je préfère quand même Pibi. Eh oui, il nous l'a dit, hein, Pibi, qu'il était là pour nous aider à calculer de plus en plus vite. Alors, lui, on va dessiner comme Pibi. Alors, lui, il dessine, et on a dit qu'il allait plus vite parce qu'il avait directement les boîtes. 18. Alors, 18, une dizaine et 8 unités. C'est ça. Donc, il fait, lui, il fait directement la boîte. 10. Et il met dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il fait un petit écart entre le 5 et les autres. Et maintenant, 38. Oh, ben ça, c'est beaucoup, hein. Oh oui, mais avec plus de billes, ça va vite. Alors, on va faire 10, 20, 30 et le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, eh bien, on va faire le 10. Donc, on va en prendre, il en a déjà 8. Alors, on peut en prendre 2 dans l'autre pour faire le 10. Ou sinon, on met les deux 5 ensemble. Bon, on fait comme on veut. Il y a plusieurs façons de compter en mathématiques, mais le même calcul doit toujours faire le même résultat. Eh oui, sinon c'est qu'on s'est trompé. Alors, on compte. Allez, on va compter les dizaines. 10, 20, 30, 40, 50, 55, et encore un, 56. 56, alors c'est les 50, on entend le 5, la famille des 50. C'est le 5 et le 6. Oh, bah, je suis contente, vous travaillez bien. T'as vu le Pibi qui nous parle, hein? Alors maintenant, on va faire le problème. Dans un bouquet, il y a 18 fleurs. On ajoute 38 fleurs. Maintenant, il y a fleurs en tout. Ah, bah, maîtresse, c'est le même calcul que Pitbull. Ah, bah, tu as raison. Et comme ils mettent toutes les fleurs ensemble, c'est encore le plus. Donc, il suffit de regarder combien il avait trouvé Pitbull. 56, maîtresse. Bravo. Donc là, dans ce bouquet, il fallait faire aussi la même opération. 18 plus 38. Donc, ça faisait, on trouve aussi 56. Deuxième. Madame Ledoux a 18 euros dans son porte-monnaie. Elle y met 38 euros encore, 38 autres euros. Ça veut dire qu'il y a encore 38 euros. Maintenant, elle a dû aller au distributeur ou acheter des sous, quoi. Oui, t'as ok. Maintenant, Madame Ledoux a euros dans son porte-monnaie. Oh, les histoires d'euros. Mais maîtresse, c'est encore la même chose, vu qu'elle les met en tout. Et puis c'est les mêmes nombres, ben, on trouve encore la même chose. Eh ben oui, c'était ça, Alice. C'était ça, donc on trouve encore 56. Alors maintenant, invente d'autres problèmes d'addition avec les nombres 18 et 38. Ah oui, je sais maîtresse, on pourrait inventer une histoire avec Pibi. Ah bah oui, une histoire de noisette.
Alors, par exemple, Pitbille, il va chez Monsieur Framboise chercher des noisettes. Eh bien, il en prend 18. Si on veut, si on veut faire les mêmes nombres, il faut qu'il en prenne 18, qu'il en ramasse 18. Et puis, par exemple, eh ben, Madame Groseille, eh ben, elle lui en apporte 38 parce qu'elle en a tellement chez elle qu'elle lui en apporte 38. Combien l'écureuil, il a de noisettes en tout. Donc, il en a ramassé 18 et on lui en a donné 38. En tout, ça va faire encore 18 et 38. Il nous reste maintenant à faire la table des moitiés. Je sais, maîtresse, les moitiés, ce que c'est. Si j'emmène 6 bonbons à l'école et que je les partage avec mon copain, eh bien, si on en mange 3 chacun, eh bien, on a mangé tous les bonbons, on n'en a plus. C'est ça, Taoki. Bravo. C'est quand on partage à deux. C'est ça, la moitié. Comme un gâteau, on peut le partager en deux. Alors, écris la table des moitiés. Ça veut dire qu'il faut les écrire dans l'ordre. D'abord, est-ce que tu as vu, Taoki, que les moitiés et les doubles, ça va un petit peu ensemble? Donc, on va revoir les doubles. Oh, maîtresse, moi, je les connais, on les a appris. Et je les ai beaucoup entendus dans la classe, je m'en souviens. Alors vas-y, Taoki. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 3 plus 3, 6. 4 plus 4, 8. 5 plus 5, 10. 6 plus 6, 12. 7 plus 7, 14. 8 plus 8, 16. 9 plus 9, 18. 10 plus 10, 20! Oui, on va s'arrêter là. C'est très bien, Taoki. Bravo, bravo. Alors, maintenant, il nous demande les moitiés. Donc, 2, c'est 1 plus 1. Donc, si, regarde, Taoki, si tu amènes 2 bonbons à l'école, combien vous allez en avoir chacun avec ton copain? Ben, 1. Et ben voilà. 1, c'est la moitié de 2. Donc, si tu veux que vous en ayez 2 chacun, et que tu veux partager, il faut que vous en emmeniez 2 plus 2, donc 4. Ah oui, si j'en emmène 4, ça va faire 2 plus 2. Donc 2, c'est la moitié de 4. Et si vous en voulez un de plus chacun, il faut encore en ajouter 2, parce que comme tu en donnes à ton copain, à chaque fois, il faut en rajouter. Et là, ah oui, ben là, on arrive à 6, ce que j'ai dit tout à l'heure. 6. Et si on veut tous les manger, ça fait 3 plus 3. 3 est la moitié de 6. Ensuite, encore un chacun, et bien 4 plus 4. Bravo, Taoki. Donc 4 plus 4, 8. Donc, si vous en voulez 4 chacun, on dit que 8, 4 est la moitié de 8. Et ensuite, oh ben ensuite, c'est facile, on arrive à 10. 10, si un jour ma maman m'en donne 10 avec mon copain, on en a 5 chacun. Parce que 5, c'est la moitié de 10. Bravo, Taoki. Donc 10 égale 5 plus 5. Et voilà, ce petit travail est terminé. Et on va quand même finir par l'autre travail que vous aviez à faire ce jour. On a presque fini, Taoki. Alors, c'est l'histoire de Léo et Léa. Là, maintenant, c'est d'autres enfants qui comptent. Et on va leur faire faire des petits exercices. Léo et Léa. Donc là, c'est Léo. Lui, il compte, il a des billes. Des paquets de billes. Alors, Taoki, combien il y a dans un paquet de billes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui! Oh ben ça va être facile! C'est plein plein de sacs de 10. Et puis lui, il nous a bien appris à compter avec les 10. Alors. 1, 2, 3. 4, 5. Faut pas oublier, Taoki, on compte les 10, hein? Ah oui, c'est vrai, maîtresse. Alors. 10, 20, 21, 22, 23. Oh ben ils ont raison. Oh, ben ils ont fait juste, hein? Eh oui. Maintenant, on va compter le deuxième. Allez, on compte les 10.
10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 46. Alors, lequel c'est 46? 40, on entend le début comme le 4, c'est le 4 et le 6. Bravo, Tanki. Donc, 46, c'est bien celui-là. Les autres, il faut les barrer. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on a dit qu'on comptait tous avec les 10. Ah oui, maîtresse, maîtresse, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 30, 31, 40. Non, t'as ok, il ne faut pas mélanger les 10 et les 1. Alors, on reprend. 10, 20, 30, 31, 32. 32, Taoki. Le 32, le 3 et le 2, maîtresse. Oui, écoutez bien, dans le 30, on entend le début du 3. Le 32. Et les autres, donc, on les barre. Et là, maintenant, il faut barrer les billes en trop. Alors, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah oui, c'est l'exemple. Ils ne sont pas trompés. Ils ont barré tout ce qu'il ne fallait pas. Alors là, on en veut 54. Oui, Taoki. 54. Alors, combien de dizaines dans le 54? On peut aussi regarder le chiffre là, côté des unités. Donc, il y a 5 paquets. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on peut barrer. Et après, il n'en faut que 4. Bah, tu comptes 4 et tu barres les autres. D'accord, ça, ok, d'accord. 1, 2, 3, 4. Et là, je barre, là, je barre, là, je barre et là, je barre. Voilà. Ensuite, 36. 36. Oui, tu nous as dit, c'est 3 paquets de 10. 1, 2, 3. Et donc, je barre les autres. Et pareil, t'en prends 6 et tu barres les autres. Oui, Taoki. Il me fait travailler, ce Taoki, hein? 2. Oh là, je me trompe maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je barre les autres. 1, 2 et 3. Et donc, on a bien 10, 20, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ouf! Alors, maintenant, on a un tout petit exercice à finir. Alors, je le lis. Écoute bien, Taoki. 3 plus égale 7. Bon, on l'a un petit peu vu, ça, déjà, dans les maisons de nombres, mais... Alors, ben, il n'y a qu'à remplir déjà la boîte pour qu'il y en ait 7. Voilà. Bravo, Tanki. Alors, je remplis. 3, 4, 5, 6, 7. Alors, eh ben, combien j'en ai mis? Oh, t'en as mis 4, maîtresse. Donc, 3 plus 4 égale 7. Bravo. Et maintenant, 5 plus égale 7. Eh bien, tu fais pareil. Regarde, il y en a déjà 5. Donc, il faut faire le 6 pour qu'il y en ait 7. On le voit bien aussi. Une ligne de 5, 6, 7. Alors, combien j'en ai rajouté? 2 maîtresses. Bravo. On peut voir que là aussi, ce sont des boîtes comme des boîtes de 10, mais c'est 2 ligne avec 5 cases chacune. Hein. Le 5 plus 5, ça fait toujours 10. Alors là, il n'y en a que 1. Oh, ben, c'est pas grave, hein. Il y aura un petit peu plus de ronds à faire. Hein. Mais il faut compléter jusqu'à 7. Allez, maîtresse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, oui, je sais, j'ai compté déjà. Vite, t'en as rajouté 6. Bravo, Taoki! Eh bien voilà, le travail est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu.
et que vous allez pouvoir un petit peu avancer le travail en mathématiques. À bientôt, ciao ciao, ciao Bibi, ciao l'écureuil et ciao Dédé.